c'est qu'il est temps de réfléchir à quel modèle de société nous voulons. Qu'est-ce que c'est que cette idée de mettre la nature et nous? Nous sommes les enfants de la nature. Qu'est-ce qui détruit l'unité de l'humanité? Ce sont les idéologies, les religions. Tout ça intervient pour faire qu'une humanité a du mal à reconnaître son unité. L'éducation est absolument fondamentale. Il faudrait que tous les enfants du monde soient éduqués à l'écologie, par exemple. Moi, je souhaite tous mes voeux qu'on puisse y avoir un décret faisant que toutes les nations éduquent l'enfant à la nature. Si tous les enfants étaient éduqués à la sensibilité à l'écologie, déjà ça ferait une unité. Et à ce moment-là, on transcende nos appartenances pour aller vers quelque chose qui aboutirait finalement à établir une conscience commune par rapport à la planète. Nous sommes tous sur la même planète, ça c'est indéniable. Il faut maintenant aller vers une humanité unifiée. Si on n'arrive pas à cette humanité unifiée, je pense que l'humanité ne survivra pas.